quando ci parliamo ci diamo le informazioni. Quindi noi abbiamo lavorato sulla comunicazione all'esterno, però la comunicazione interna, se c'è una parte, si può fare. Alors, elle demande, donc, elles ont travaillé sur la communication vers l'extérieur, mais elles demandent s'il y a aussi une communication à l'intérieur. Hein? Donc, entre l'équipe, vous, nous, etc. Questo deve essere un tema che aggiungiamo e sviluppiamo insieme. Ça peut être un thème qu'on rajoute et qu'on développe ensemble. Alors, la bouchère du village à Romilante était très fâchée parce que dans le minestrone il n'y avait pas la viande. Se avete bisogno di traduzione, levate la mano. Levate la mano. Alors, on peut partir de février, en fait, le mois de février, c'est qu'on a commencé à penser à l'appel pour les jeunes. Et ça a été intéressant parce que nous a posé une question. Dans les projets, on avait écrit que les jeunes pouvaient être entre 14 et 25 ans. Pour rester large, mais là, on a décidé l'âge exact des jeunes pour l'écrire dans l'appel, par l'écrire ou les communiquer. Alors en fait, on s'est dit, c'est laquelle l'âge qui vous permet à vous, éclaireurs, de donner des compétences aux jeunes. On n'a pas choisi un âge haut, 20 ou 25 ans, parce que sinon la différence entre vous et eux, ils auraient été trop petits. Mais en même temps, on n'a pas choisi un âge très bas, on n'a pas choisi de prendre des gens qu'ils avaient 14 ans, parce que c'était trop peu peut-être pour faire des actions artistiques, ou peut-être pas, parce qu'on ne sait pas. Mais on a choisi entre 16 ans et 18 ans, parce que déjà, ils avaient envie, ils regardaient la fin de l'école, donc ils pensaient en termes des professionnels, qu'est-ce qu'ils allaient faire après, et pour nous c'est français, c'est important, et aussi pour vous permettre de passer des compétences, parce que les gens, nous, ils sont les futurs éclaireurs, donc vous êtes éclaireurs, mais après, il y aura qui sur le territoire, avec les jeunes. J'arrive pas à dire jeunes, mais c'est compliqué. Et aussi, pour une question de facilité des rapports, ça veut dire que les Ménaranches et les Théâtres Nationaux de Nice, ils avaient beaucoup de cours de théâtre avec cet âge-ci. Donc c'était plus facile de contacter les gens qu'ils avaient entre 16 et 18 ans. Et là, je crois, enfin, pour moi, c'était le premier moment dans lequel on avait vraiment décidé que l'hypothèse de faire un spectacle dans les trains était morte. Enfin, je ne sais pas, vous savez que l'idée originaire, c'était de faire dans le train avec un train. Et là, c'était définitivement mort pour nous et il fallait penser à autre chose. Alors, à mai... Et là, il y a eu un grand travail d'Alexandre en direction artistique pour imaginer des événements cohérents entre eux. Et aussi un grand travail de tuteur territorial, si on y parle, avec les territoires, parce qu'il fallait décider des dates. Et décider des dates pour les événements, ce n'était pas facile en
août dans un mois où il y avait beaucoup de fêtes sur le territoire. Donc ça a été, il y avait ce travail-ci. Et pour la communication, ça nous posait une autre question. Qu'est-ce qu'on veut communiquer de Terrac? C'est quoi Terrac pour nous? En fait, moi j'avais écrit un papier, les premiers papiers de communication du projet, et je l'ai donné à Alexandra. Et après ça, elle a convoqué en réunion, parce que je crois que les papiers étaient hyper mal écrits. Enfin, il y avait mon vision de Terrac, mais on avait besoin d'une vision générale de Terrac. C'est quoi Terrac pour tous les teams de Terrac? Enfin, la communiquer les événements artistiques du chantier nous a posé, nous a mis dans le cas de nous dire à nous-mêmes c'est quoi Terrac pour nous. Et ça nous permet d'individuer des mots-clés, qui en fait sont les mots-clés que vous pouvez voir dans le flyer là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que oui, il y a un mot qu'il y a toujours, que c'est merveille. Parce qu'en fait, Terrac, c'est un projet de valorisation du territoire, donc de la flore et la faune, qui est aussi sous inspiration du livre de Mancuso, La Nation des Plantes. Lui, il parle de la nature comme de la merveille de la nature. Donc, merveille, c'était un mot clé pour nous. Il n'y a pas que la nature, il y a aussi les animaux, il y a aussi les humains. Donc, on a décidé d'utiliser ces mots-ci dans toute la communication. Et après, on s'est interrogé dans votre mot-clé. Ils sont lesquels les autres mots-clés de Terrac? Alors, il y a le théâtre, c'est sûr. Mais il y a aussi le fait de partager. Alors, les contacts aussi, c'est important. Sauf qu'on a, dans le flyer, on s'est trompé, on a écrit autre chose, mais bon. Après, je ne sais pas si Sonia. Enfin, on a écrit le postage. On s'est rendu compte à la fin. Mais bon. Et nature aussi. Après avoir recueilli ces mots-clés, on a aussi posé des questions graphiques. Qu'est-ce qu'on veut représenter? C'est quoi l'image coordonnée de Terrac? Et c'est pour ça qu'en fait, on vous a demandé, à vous éclaireurs, de nous donner des conseils, des espèces typiques de territoire. Donc, quelles fleurs, quels oiseaux sont de territoire. Et il y en a entre vous qui nous ont envoyé des photos aussi. Avec ces photos, il a été fait par Maurizio Rossinetto, un travail graphique sur ces photos, et c'est pour ça qu'on a fait, on a décidé de faire toute la communication avec ça, avec des couleurs très fortes, mais aussi qui nous donnent l'idée de nature un peu, donc les verts, les jaunes surtout, l'orange aussi. Et aussi, on s'est posé une autre question, et donc, qu'est-ce qu'on veut mettre dans la communication, dans des flyers par exemple? Est-ce qu'on veut mettre toutes les informations, ou est-ce qu'on veut mettre juste deux ou trois informations? Et là, il faut se poser la question du target, c'est qui va lire notre truc? Des vieux peut-être, des gens de territoire. Alors, on a décidé de mettre toutes les infos ici, dans les flyers. Mais pour ça, on a commencé à imaginer les flyers en juin et on les imprimait une semaine avant le chantier. Parce qu'on n'avait pas du tout toutes les informations à mettre. Et là, parce que en fait, je vais prendre cet exemple-là, parce que c'est un exemple complexe, le grand bal des limonènes. En fait, à Limone, la municipalité échangeait. Donc, Paul, elle avait contacté la municipalité de Limone et moi avant pour dire que nous allons faire un événement artistique dans ces dates-là. Mais après, la municipalité échangeait. Donc, on a dû retourner un mois et demi avant le chantier. Et sûrement, pour la municipalité, cet événement-là, ce n'est pas une priorité. Donc, ce n'est pas hyper facile d'avoir les endroits. La place principale de Limone pour le faire.
on a dû assister à tout ça. Et aussi, dans ces flyers-là, il y a des informations de musiciens, par exemple. Donc, il a fallu contacter, choisir les types de musique qu'on voulait avant. Après, contacter les musiciens. Et après, contacter les fournisseurs d'écran aussi. Et il n'y en a pas beaucoup qui veulent se déplacer de ville pour venir dans cet endroit-là. Donc, déjà, ce n'était pas facile. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont d'écran pour les places. Donc, en fait, ça, c'était la complexité aussi des décisions. Des fois, vous pouvez décider de ne pas attendre et d'imprimer les matériels avant, mais vous devez savoir que vous n'aurez jamais toutes les informations là, parce que c'est pas possible. Les mêmes, c'est le travail du fort, parce que Paola, elle a dû faire tout un travail pour chercher les bus et la télésiège, pour avoir un accord avec la télésiège avant. Et même comme ça, dans les flyers du fort, il n'y avait pas des informations pour nous hyper importantes. Par exemple, les étapes artistiques, parce que c'était trop tôt. Les étapes artistiques, elles ont été idées et pensées pendant le chantier. Donc c'est pour ça qu'on a fait les dernières flyers, là, avec les étapes artistiques. Et après, avec une chose qu'on a pensé que c'était hyper important pour nous, les remerciements de tout le monde. Parce qu'on avait mis, il n'y avait aucune place où il y avait toutes les personnes qu'on a rencontrées qui ont participé et collaboré. Alors donc, pour nous, c'était important de l'imprimer quelque part, parce qu'il restait sur le territoire. Et, c'est tout. On a utilisé Facebook et Instagram. Et moi, j'utilisais Facebook et Chiara a utilisé Instagram. Donc, avec elle, au début, on avait pensé de faire un projet avec les jeunes. Mais avec tous les trucs qu'ils avaient à faire, ça n'a pas été possible. C'était un projet de les impliquer un peu plus à utiliser Instagram avec des photos qu'ils prenaient et de faire une sfida. Un défi. Et choisir chaque jour la meilleure photo pour nous et la poster sur le Instagram Terra. Mais ça, enfin, on voulait le faire, mais ils avaient trop de trucs à faire, ce n'était pas possible avec tout ce qu'ils devaient préparer. Vous savez que Terra, ils avaient aussi le travail des portraits artistiques. Qu'on aurait bien imprimé ou mettre aussi sur une page de notre site web pour avoir tous les gens qui ont, quelque part, tous les gens qui ont collaboré au projet. Et aussi, il y avait une autre action qui est un peu entre l'artistique et la communication, que c'était les photos avec les étendards derrière. En fait, là, c'était une action de communication externe, donc on a invité les gens à venir prendre photo. Mais c'était aussi une occasion de leur expliquer les projets. Parce que après la photo, beaucoup d'entre eux ils sont venus nous demander qu'est-ce que c'est de l'art, qu'est-ce que vous faites. Donc c'était aussi un début de communication pour nous. Et c'était aussi quelque chose d'artistique qui peut rester une action à la place. Oui, on est sorti dans beaucoup de. Dans la presse italienne surtout. On avait un bureau de presse qui nous aidait. Donc on a dû choisir un bureau de presse en juillet. Ça veut dire que moi j'écrivais les articles et avec Chiara on prenait les photos. Après, chaque jour on sélectionnait les photos et on écrivait un petit article pour le bureau de presse. Les bureaux de presse faisaient ce travail avec les journalistes, donc envoyaient pour les journalistes la communication pour les faire sortir dans la presse nationale. Et Alberto a été interviewé à la télé nationale aussi. Come abbiamo detto ieri, non abbiamo un ufficio stampa in Francia, però le problème. Il n'y a eu que deux articles qui sont sortis en France, mais pas de reportage qui sont venus sur sur le chantier. Il y a eu. Il y a un stagiaire de communication français aussi.
peut-être on fait le même système qu'on se dit. Sì, guardiamo la linea del tempo, raccogliamo le domande sia sui giovani che sulla comunicazione e magari prima di pranzo sviluppiamo un attimo il tema che poneva Aurore, cioè la comunicazione non social, non stampa, ma la comunicazione interna. Ok, donc on va, comme hier, travailler en regardant les slides jeunes et communication, en écrivant les questions en groupe. Et puis, avant la pause pour manger, on va faire un point sur la question posée par Aurore sur la communication interne entre nous. Ici, il y a le code Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi est wifi-nuvola et le mot de passe buona0novella. À la base. On fait le même groupe des tableaux vivants. Okay.